Imaginez la situation suivante. Vous êtes invité à une rencontre amicale où on va déguster des bons biscuits. Vous allez devoir, par exemple, comme prix d'entrée, si on peut dire, apporter des biscuits que vous avez préparés et vous pourrez sur place prendre autant de biscuits que vous en avez apportés. Mais les biscuits qu'on veut avoir, ce ne sont pas des biscuits achetés, mais c'est vraiment des biscuits que vous avez cuisinés. Mais vous ne savez pas cuisiner. C'est bien triste. Je fais un parallèle avec une autre situation, cette fois-ci une situation réelle. Un grand festin a été préparé. La Bible dit c'est le grand festin des noces de l'agneau. Le prix d'entrée pour avoir part à ce grand festin, c'est la justice, c'est-à-dire que nous devons être sans injustice, nous devons avoir mené une vie juste, autrement dit, avoir toujours respecté parfaitement la loi de Dieu, ne l'avoir jamais transgressée. Mais, comme vous savez très bien, il n'y a pas un seul juste sur la terre, dit la parole de Dieu, nous sommes tous injustes, et donc, on se dit, mais qui pourra bien participer à ce grand festin des noces de l'agneau Je reviens à la rencontre initiale de dégustation de biscuits. Une solution pour vous, ce pourrait être qu'une personne qui vous aime beaucoup cuisine de merveilleux et bons biscuits pour vous et vous les donne en cadeau et vous pouvez vous rendre à la rencontre et vous régaler. Je reviens à la rencontre du grand festin de noces de l'agneau. La solution pour vous, pas une solution, mais la solution pour vous serait que quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous donne en cadeau sa justice parfaite et prennent sur lui toutes vos injustices pour les faire disparaître pour toujours. Et c'est en plein ce que le Fils de Dieu est venu faire sur la terre pour tous ceux qui croient en lui. Écoutez bien la parole de Dieu. Le Christ Jésus est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Vous avez entendu ça, lui Juste pour des injustes, il est mort une fois pour les péchés, afin de vous amener à Dieu. Quel sauveur merveilleux nous avons. La Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle.